On s'intéresse à la situation de l'Africa Sport National face au bicéphalisme qui rongeait le club. Le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football a mis en place vendredi un comité de normalisation à la tête de l'équipe. Il est présidé par un homme de médias, Yves Obo Junior. Quelques jours après cette nomination, le tout nouveau patron de la transition des OIE définit ses priorités dans un entretien réalisé par Salif Yalekwe et Haroun Azeba. Le célèbre animateur Yves Obo Junior est à la tête du comité de normalisation de l'Africa Sport d'Abidjan, l'un des plus grands clubs de football de la capitale économique ivoirienne, en proie à une crise interne depuis vendredi dernier. Le tout nouveau gestionnaire du mythique club Vert et Rouge, président une équipe de 5 membres qui n'est pas en territoire inconnu, dégage ses priorités. Retoucher les statuts, reconstituer un collège électoral, organiser des élections pour permettre aux futurs candidats de venir avec un projet Africa nouveau, avec la précision que nous ne pouvons participer à ces élections. Donc c'est vraiment une mission. Nous venons, bras ouverts, nous appelons tout le monde avec leur projet Africa, qu'on distille au collège électoral, on désigne celui qui aurait été le candidat vainqueur, à lui de prendre et de diriger l'Africa Sport. Je ne gère pas les états d'âme, j'aime tout le monde. J'ai grandi, j'ai partagé des tranches de vie avec chaque dirigeant et haut cadre de l'Africa Sport. Donc vraiment pour moi c'est... Et en plus, et ça c'est une spécificité à mettre, nous ne sommes pas rémunérés. Nous le faisons parce que nous estimons que notre club se doit de ne pas aller en deuxième division. Yves Obo Junior en appelle à plus de sérénité pour un avenir radieux de la légendaire section foot des OIE. Là, je m'adresse aux membres associés. C'est vrai que notre club a souffert, mais quand vous regardez les plus grands clubs de football, la vie n'est pas linéaire, elle est faite de haut et de bas. C'est vrai. On ne peut pas être plus bas que nous le sommes aujourd'hui. Donc, on ne pourra qu'aller de l'avant. Membres associés, beaucoup de prières. Joueur, Africa, c'est le caractère et l'esprit. L'esprit. Une victoire. C'est tout ce que l'on demande. Le reste, on s'en charge. Le prochain président de l'Africa Sport peut être assuré déjà, d'avoir un des plus gros partenaires d'assurance africaine. C'est fin avril dernier que le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football a décidé de mettre l'Africa Sport d'Abidjan sous normalisation pour aider ce club à régler la crise qu'il traverse. Vagba Alexis et Bailly Antoine se disputaient la gestion du club. Les Verts et Rouges sont logés dans le groupe A de la Ligue 1, l'avant-dernière place, avec 9 points, moins 2.